Bonsoir. Good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir à tous. Ce soir, Deauville continue à honorer le grand cinéma américain avec un hommage à Robert Pattinson. And to tell us a bit more about his fine career, would you please welcome French actress Bérénice Bejo. Bonsoir. My dear Robert, la première fois que je t'ai vu à l'écran, c'était en août 2008. J'étais dans un grand lit double, coincé entre mon mec et ses deux filles âgées de 5 et 10 ans. Twilight, épisode 1. Waouh! Je m'en souviens super bien. C'était vraiment cool. C'est cool de voir les films que nos enfants adorent. Ils sont tellement fiers de nous les montrer. On s'est vraiment bien amusés. Je crois que Michel et moi étions un peu vieux pour comprendre toutes les subtilités du film. Mais par contre, quelque chose était évident en regardant le film, ton charisme. Ça, c'est un truc qui ne s'explique pas, qui ne s'invente pas et qui ne se fabrique pas. C'était un joli moment en famille pendant lequel tu as mis tout le monde d'accord. La première fois que je t'ai approché pour de vrai, c'était à Cannes. Bon, en réalité, j'ai juste entendu des gens hurler ton nom. Surtout des filles d'ailleurs. Toi, tu faisais ton possible pour ne pas te faire écraser et je n'ai vu de toi que le haut de ta tête au milieu de 800 iPhones braqués vers toi. C'était en 2011. Tu venais pour le dernier épisode de la saga Twilight et toute la croisette ne parlait que de vous. La première fois que je t'ai réellement vue en chair et en os, c'était en 2012 à Cannes. Et oui, encore et toujours. Heureusement qu'il y a Deauville hein, pour casser un peu cette routine. Et j'ai assisté à la projo officielle du film de Cronenberg, Cosmopolis. Tout le monde voulait savoir ce que Cronenberg avait bien pu faire de toi. Tu n'étais pas là où les gens t'attendaient et tu étais formidable, intense, atomisée et très juste. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à oublier le vampire qui était en toi. D'ailleurs, je dois dire, je n'étais pas la seule. Tu es repartie sans prix d'interprétation que tu aurais aussi bien pu avoir, mais tu as gagné une nouvelle place dans le cinéma. En faisant ce film-là avec Cronenberg, tu as fait un choix important. Dans la lignée des acteurs comme Brando, Redford ou Al Pacino, qui ont su mettre leur statut de star au service du cinéma indépendant. Tu es revenue à Cannes en 2014, en compétition. Encore avec Cronenberg, Map to the Stars. J'y étais aussi, en compétition. Mais contrairement au film que je présentais, pour vous, ça s'est très bien passé. Je me souviens qu'une fois encore, on parlait de toi sur la croisette, de ce petit rôle génial que tu interprétais avec malice. Tu tordais encore une fois ton image de jeune ado gentil aux dents longues. Et puis, un jour, on s'est finalement rencontrés. Ce n'était pas à Cannes, et ce n'était pas par hasard. C'était prévu, organisé et mis en scène par Brady Corbet. C'était en 2015, à Budapest. Le film s'appelle L'enfance d'un chef. Tu avais un second rôle. J'ai trouvé ça super classe. Brady me parlait de toi sans cesse avant le tournage. Rob par-ci, Rob par-là. Très vite, tu es devenu Rob pour moi. Et conversation après conversation, se dessinait dans ma tête un nouveau Robert Pattinson. Un Rob que j'allais rencontrer et côtoyer, et avec qui j'allais jouer, avec qui j'allais échanger. Un Rob humain, quoi. Pas la star Robert Pattinson, juste Rob. D'ailleurs, avant de te connaître, je me voyais bien t'appeler Rob. Je trouvais ça... Enfin, ça me faisait rire, quoi. Bon, bah finalement, j'ai pas osé. Trop de pudeur, sans doute. Brady t'aime et t'admire beaucoup. Sans toi, il n'aurait pas pu faire son film. En tous les cas, pas comme il l'a fait. Alors merci, parce que c'est un très beau film et j'en suis très fière. Dans ce film, tu joues un ami de mon mari qu'on imagine être mon amant. Non, je dis imagine, car rien n'est montré. Je le précise parce que moi qui n'aime pas spécialement jouer les scènes d'amour, bah avec toi, je... Enfin bon, bref. Mais bon, bah non, ça s'est pas fait. C'est pas toujours facile d'être actrice. Hein. Mais la vie est longue et je suis d'un tempérament optimiste.
Je garde un souvenir de toi assez particulier. D'une part, l'acteur. Tu m'as vraiment impressionnée. Tu as composé avec Brady un personnage au physique très étonnant. Tu as rasé tes cheveux et ton visage s'est transformé. Bah, d'ailleurs, tu les as rasés aussi ce soir. Et tu as su exprimer une violence intérieure de dingue. I just said that you just shaved your head again. So, I mean, whatever. Donc, tu t'es rasé tes cheveux et ton visage s'est transformé. Tu as su exprimer une violence intérieure de dingue que je ne te soupçonnais pas. Parfaite pour le rôle. Et alors, toi, tu t'amusais de toi, de ton image, de jouer. Et il y avait des jours où tu avais des pages de texte et où tu travaillais avec beaucoup de précision, prise après prise. Tu ne laissais rien au hasard. Et il y avait des jours où tu étais cantonné au rôle de figurant et tu étais là, dans ton costume de militaire, à attendre, à regarder, à écouter, disponible. Tu es resté très discret, très professionnel et toujours très humble vis-à-vis de ton travail. J'étais heureuse de découvrir ce Robert Pattinson-là. Rob, quoi. Et puis après, il y a eu le Robert hors plateau. Celui qui vient presque systématiquement caché sous son bonnet. Celui qui rougit très vite. Celui qui parle bas. Celui qui sourit si souvent et d'une manière si charmante. Celui qui ne ressemble en rien à ces personnages de Cosmopolis ou de Lost City of Z. It's really hard for me to say. The Lost City of Z, I don't know why. Les plus grands acteurs ont toujours été comme ça, au service de l'histoire, au service du metteur en scène. Tu sembles choisir les rôles qui te sont les plus éloignés, comme pour bien te cacher. Mais à Budapest, tu n'as pas pour autant entretenu le mystère autour de toi. Et nous avons beaucoup partagé et discuté de beaucoup de choses. On a parlé un peu des êtres qui nous sont chers, avec pudeur et respect. Et on a parlé de cinéma, beaucoup. Et j'ai découvert que tu étais un cinéphile, que tu avais un avis bien tranché, pointu et parfois surprenant sur le cinéma et notamment sur le cinéma français. Oui, pour moi, tu es un être riche, plein de contradictions et en même temps très cohérent. On t'imagine d'une certaine manière et en réalité, tu es tout autre. C'est la force des grands acteurs. Ils brouillent les pistes pour ne jamais être mis dans une case. Tu nous embrouilles pour pouvoir nous surprendre. Eh bien, ça marche. Il y a quelques jours, j'expliquais à mon fils, Lucien, qui a 9 ans, que j'allais devoir m'absenter ce week-end, car j'allais remettre un prix d'honneur à Deauville à Robert Pattinson. Alors mon fils m'a regardé, inquiet, et il m'a dit « Mais pourquoi ce prix? Il arrête de faire du cinéma, ce Robert Pattinson ?» Mon cher Robert, j'espère que tu ne vas pas t'arrêter là. Ça serait dommage. Continue à nous surprendre. D'ailleurs, je sais que tu sors un film mercredi prochain. Mercredi prochain, non, le 13, qui s'appelle Good Time, des frères Safdie, qui s'appelle Benny and Josh, et qu'on va découvrir ce soir. Et d'après le peu que j'ai vu, tu t'es encore bien caché. Tu ne ressembles à rien de ce qu'on a déjà pu voir de toi. Ce film, d'ailleurs, était en compétition officielle à Cannes cette année. Tu sais quoi, moi aussi j'y étais cette année. C'est dingue quand même ce truc entre toi, moi et Cannes, hein? Bon, et c'est fou d'ailleurs parce que mon film, il sort le même jour que toi aussi. Alors tu sais quoi, je te souhaite que ton film marche, mais juste un peu, hein, pas trop quand même, parce que faut en laisser un peu pour les autres, quoi. Rob, je suis très heureuse ce soir de te donner ce prix que tu mérites. Et je te souhaite de continuer cette magnifique carrière. Bérénice Bejo, merci énormément. Et maintenant, and now, a look back at Robert Pattinson in pictures. Experience. C'est quelque chose de très dingue, il nous dit Robert. Can't really tell if I'm awake or not. Ah, j'arrive pas à savoir si je suis réveillée ou pas. I mean, this is really, really nuts. I think I might move to Deauville. Ah, c'est incroyable. Je pense que je vais peut-être déménager à Deauville. Come here and you get your own
beach hut and you meet the mayor. Voilà, on arrive ici, on peut avoir sa propre cabine sur la plage, on rencontre le maire. Bérénice Bejot says she wants to do love scenes with you. Ah, Bérénice Bejot dit qu'elle veut faire des scènes d'amour avec toi. Vive la France. And Bernice, I am pretty much always available for love scenes. My agent. Bernice, je suis presque toujours disponible pour les scènes d'amour. Mon agent est juste là-bas. I honestly don't know. I don't know really particularly what to say. I'm obviously thrilled. I can't really believe that I'm being presented with this, but then I just watched those movies, and I can't really believe the last 15 years have happened either. Je suis évidemment très touchée d'être ici. J'ai du mal à y croire, et je regarde ces montages, et j'ai du mal à croire que ces derniers 15 ans m'ont arrivé aussi. I really love film, and I really love this industry, and it's a love that grows more and more with each year, and I think anybody who works in it really understands what a privilege and a gift it is to work within it. And I don't know what else to say other than to thank. It's very boring, but I just want to thank. Literally, I tried to make a summarized list of directors, but I literally want to thank every single director I worked with. Attends une seconde. Donc, Robert nous dit, j'adore les films, j'adore le milieu du cinéma, et plus en plus avec chaque année qui passe, et je crois que tous ceux qui travaillent dans cette industrie, ils comprennent comment c'est tellement un cadeau. Donc tout ce que j'ai pu penser à faire, c'est ce qu'il vient de nous dire Robert, c'est de faire une liste et dire merci à tous les grands réalisateurs qui ont pu travailler avec moi ou avec lesquels j'ai pu travailler pendant toutes ces années. So go ahead. I'll say it quickly, but from Uli Adel, Mira Nair, Alan Coulter, Mike Newell, Chris Delica, Robin Shepard, Oliver Irving, Paul Morrison, Chris, Catherine Hardwicke, Chris Weitz, David Slade, Declan Donnellan, Nick Ormerod, David Cronenberg for really making me approach performance in an entirely different way, and David Michaud, Werner Herzog, Anton Corbin, Brady Corbet, James Gray, Claire Denis, and Josh and Benny Safdie and the whole Good Time family. It was just such a pleasure making this movie. It's something I'm extremely proud of, and I hope everyone here enjoys it. So I think it's pretty unique cinematic experience. Et voilà, donc Robert nous a fait toute la liste des réalisateurs, en disant particulièrement David Cronenberg, qui lui a appris une façon de jouer qui était très différente de ce qu'il avait fait avant. Aussi, Josh et Benny Safdie et toute l'équipe de Good Time, parce que c'est un film qui est tellement unique et différent, et il espère que vous aussi, vous allez être d'accord. Sorry, I just listed so many names. It's an incredibly boring speech. Il a dit, je m'excuse d'avoir listé tellement de noms. Je sais que ça vous ennuie. But it was just the first time I've written them all down, and it really stunned me of the caliber of people I've been allowed and to work with. You know, I've had a very, very, very charmed life, and appreciate every second of it. Voilà, je m'excuse donc d'avoir fait cette liste, mais c'était la première fois que j'ai noté tous ces noms, et vraiment, j'étais étonnée, en fait, le niveau de talent avec lequel j'ai pu avoir la chance de travailler. Vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. And even though I've only said just thank yous to people, I've got to have two more thank yous, one of which is to my team, Sarah, Grace, Stephanie, and Nick, who I would never have thought of this as a job or a life or anything. I had no idea what I was doing at 15, and they provided me with this very special thing. And the other one is to you guys for coming to support films that are just slightly more inaccessible than most. And the fact that these festivals exist and that you're all excited about the movies playing is so important. And
it really does mean the world to the people who make them. So thank you very much, Seville, and have a good night. Yeah. Thank you. Robert, please, would you please go center stage and you can receive your prize. I will translate the end of that. Yeah, it's very... Please go center stage, you can receive your prize. Je vais juste dire, Robert avait encore deux merci à faire à son équipe qui a pu le découvrir à l'âge de 15 ans et l'aider à apprendre et comprendre quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il voulait faire comme métier. Et puis aussi, un grand merci à vous tous, aux fans et aux cinéphiles en France qui aiment bien venir voir des films qui sont peut-être moins accessibles que la plupart. Le fait que ce genre de festival existe et que vous êtes contents de voir ce genre de films me touche énormément. Et Robert Pattinson avec sa trophée qui était créée par Karl Lagerfeld, his trophy designed by Karl Lagerfeld, with support from the leather worker Prouess, the Deauville Trophy this year. Make me weak, I'm so hungry for kissing you. You little cyber freak, I know what you're into. Mesdames et messieurs, Robert Pattinson! Bérénice Béjot, merci énormément! Wait! Robert, you gotta stay. Merci, Bérénice Béjot. All right, Robert, I know that trophy is very heavy. You can give it to Julie, right here. Here you go. And I want you to stay with me. Don't worry, you'll get it back. Come with me. We're gonna talk about your film now tonight. Good time. We have got the other members of the team who are here with us as well. Would you please welcome the producer, first of all, Oscar Boysen, and also the directors, Josh and Benny Safdie. Welcome, welcome. Good Time, the film que vous allez découvrir dans quelques minutes ici sur le grand écran de Deauville. Good Time, the movie you guys will all check out in just a few minutes' time. Hey guys, welcome. This is the view, huh, Rob? Yeah, c'est la vue, hein? C'est pas mal, hein? Who'd like to say a few words? Josh? A few words. Quelques mots. Rob, there's something wrong with you mentally to watch you play all these different characters. Rob, je trouve qu'il y a un problème mental de vous voir jouer tellement de personnages différents. All, il y a un problème. All great actors are messed up in the head. Ah, tous les grands acteurs sont un peu fous. In a beautiful way. And, dans une façon très beau. And Rob, you guys will all witness tonight his unbelievable dedication to the film that we made together. I'm very, very proud of it, and it's an honor to be here. Donc tout à l'heure, vous allez découvrir la vraie énergie et la dédication qu'il avait mis Rob dans ce film tout à l'heure, et on est vraiment touché d'être ici avec vous ce soir. The time and work that we put in together and just in general was that he gave us. It's on the screen and it's in the pores and it's. Oui, le temps qu'il a donné, l'énergie qu'il a donné, le travail, vous allez voir, ça sort en fait de la peau, si vous voulez. You might all know Robert Pattinson, but you're about to meet Connie Nikas. Ah, vous connaissez tous Robert Pattinson, mais vous allez rencontrer Connie Nikas, son personnage dans le film. Rob. I can't stand here on the same stage as everyone. Just they're all just like talking about my performance. C'est trop bizarre. Je vais pas être là. Vous êtes tous en train de parler de moi. C'est trop bizarre. Okay, go ahead. No, I think that these guys are the best. And non, pour moi, ces mecs-là sont les meilleurs. And I don't know if it's like stupid to say or whatever, but they're literally, if you're interested in film, all it's a dangerous thing to say considering you haven't seen the movie and you're just about to watch it. But like. They're the best filmmakers in the world working right now. Ah, et je peux vous dire, ils sont vraiment les meilleurs. Qui, je sais, c'est une chose un peu douteuse à dire parce que vous n'avez pas encore vu le film et donc c'est peut-être pas très bien de ma part de dire en avant. Mais ils sont parmi les meilleurs réalisateurs avec lesquels je n'ai jamais travaillé. And here's how it works: is when Rob comes on and actually does what he says he wants to do, and everyone can tell that this guy is working, that he wants the film to be so good, and he's giving it everything. Then everybody else gives their best, and I've told.
these guys, they'll probably never have it that good again. Et moi, je peux dire en tant que producteur, quand Rob, il vient sur le tournage, il donne tellement à fond, ça monte la barre pour tous les autres et tout le monde a envie de donner à fond aussi. Et je suis sûre que ces deux-là, ils vont jamais être aussi bons. And I just wanted to say thank you to Deauville. I buried myself in the sand when I was 11 years old or somewhere around there. Here, un grand merci à Deauville. I just got out. But this is, it's a beautiful thing to be here. And thank you to the festival and to Advitam and TF1 and to the country of France where it will be released here on the 13th. So. Voilà, et un grand merci à Deauville. Je suis venue quand j'avais 11 ans. Je me suis enterrée dans le sable jusqu'à là parce qu'il est venu avec ses parents. Et il nous dit, je viens de sortir que maintenant. Mais il dit un grand merci à la France, à vous tous, à TF1. Et le film, il sort le 13 septembre. Oui, and... thank you to, again, the programmers for selecting the film and having the great foresight to give Rob this award, and to Olivier Pear and Thierry Fromeau for helping introduce our work to this beautiful country that created film, as we all know. So, voilà, exactement. Thank you. Donc, un grand merci aux programmateurs de ce festival, aux programmateurs de Cannes, d'avoir pouvoir aussi nous aider à découvrir notre film. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Bonne projection. Merci beaucoup. Thank you. Where you guys can. Josh, Benny, picture. Picture, and then off there. Picture, yeah, go ahead.